Salut tout le monde, c'est Tony7 pour une nouvelle vidéo sur Orc Must Die 2. Alors, déjà petite précision, j'envoie cette vidéo à Play One PC et Game Central. Donc, tout simplement de Beben02 et de Deez, qui ont fait deux chaînes communautaires sur des gameplay jeux PC. Alors moi je me lance dans Orc Must Die 2 partie, on va dire en parenthèse 2, puisque j'en avais déjà fait une avant, enfin une vidéo. J'avais envie de continuer et puis je voulais envoyer ce gameplay aux deux chaînes communautaires parce que je suis vraiment content qu'ils aient fait des chaînes communautaires chacun. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Ça m'étonnerait que ça ne fonctionne pas. Pourquoi avoir envoyé tous ces orcs par la faille? Les mages de l'ordre commençaient à se faire vieux, à s'affaiblir. Ils n'étaient plus à la hauteur. Les orques m'ont servi à faire le ménage, à éradiquer la corruption. Madame a des tendances mégalo, je vois. Ok, voilà. Donc, pour résumer, en bref, ça c'est le 2, donc c'est la suite du 1, puisqu'on peut contrôler deux personnages, la sorcière, le mage de guerre. Le mage de guerre qui est ici. Je voulais le tester puisque j'avais déjà fait la sorcière. Et je suis content et pas content, un petit peu des deux. Alors j'ai débloqué dans la vidéo dernière, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne d'ailleurs pour voir ça. J'ai débloqué le mur de Pecos. Le mur de pique. Oh là là. Je vais y arriver, hein. Mon dieu, je perds la mémoire là. Ah, attendez, si je fais B, j'ai pas. Ah, mais j'ai amélioré mon mur de pique. Mon mur ou mon sol, je ne sais plus. Donc, le mur de lance. Bon, allez, on va partir parce que sinon on va jamais le faire. Attention, c'est. Oh non, il y a une deuxième faille. Attendez, je vais vérifier, mais. J'avais pas vu en fait qu'il y avait une. Oh non! Bon, je vais vendre quelques trucs là parce que. Parce que je vends, parce que sinon je vais me faire avoir. Dans la vidéo dernière c'était déjà limite, alors. Ici on va en rajouter. Dieu affûté, dites bonjour au pied des rires. Voilà. Attention, on est parti. J'ai lâché, donc les failles ont été refaites. Enfin, le Orc Must Die 2 en soi est toujours le même système. Hein. La seule différence c'est que ils ont un petit peu tout changé. Des graphismes, aux textures. Bon, j'ai très dur à jouer avec hein, par rapport à la sorcière, je vous préviens déjà. Soyez pas choqués que j'ai super dur. J'aime pas trop. Wow. Et puis j'ai un problème de sensibilité, j'ai beau la baisser, ça ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Enfin c'est pas grave. Franchement c'est un très. Ouh, pas grave. Bien ça. Ouais. C'est moi qui l'ai vu en premier. Ah, vite, ça va apparaître par là. Je l'avais prévu, hein. Je vous l'avais dit que ça allait sortir. Tout bon. Est bon dans l'orque. Voilà, tout est bon dans l'orque, hein. Faut le savoir, c'est important. On va les shooter de loin, hein. Ça s'accélère en fusil comme ceci. Perso, moi je préférais l'arbalète parce que. Ouh. Si je le ratais, c'était fini. Hein. Oh, la police. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais. J'ai vraiment des problèmes avec ce perso. Hein. Voilà. Mon dieu! Je sais pas ce qu'ils font devant chez moi là. Il y a un mec qui demande de s'arrêter. Ah, ah, je suis trop un noob. Je suis vraiment trop un noob. Ah, il y a plus que 20 trucs. C'est peu.
Je galère vraiment, hein. Faites pas attention. Ça se passe comme ça avec moi. Des deux côtés, je suppose, ça m'étonnerait pas. On va mettre ça. Ça. Moi. Bon, le reste qu'un. Bon, je suis désolé pour ce gameplay pourrave. Enfin, c'est pas qu'il est pourrave, c'est que voilà. Comme d'hab, je me suis pas assez préparé. Mais je galère vraiment avec la sensibilité et le mage de guerre. Je préfère la sorcière. Franchement, je vous conseille de faire Orc Must Die 1 d'abord. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de scénarios dans ce jeu-ci, mais. Enfin, faut un petit peu savoir quelques trucs. Perso, je l'ai fait. J'ai juste pas battu le boss final, il me semble. Je sais plus. Oh, génial ça. Oh, c'est génial. Ils sont dans l'autre sens. Et ouais, et je viens de me faire avoir. Allez, rentrez, c'est ça, je vais perdre. Hein. Je suis vraiment un gros noob. Allez, tombe. Oh, je suis vraiment trop un noob. Je suis vraiment trop un noob. J'en pleure. Bon. Bon, j'espérais pas perdre de vie. Ben, c'est raté. J'aurais pas beaucoup de crâne à la fin. Ça m'étonnerait pas. Allez, pitié qui reste. Yes. Je sais plus où on voit les. Où on voit les. Les cristaux, hein, vous pouvez le dire dans les commentaires. Ah, il me reste encore bien ça. Ah, on va couvrir ici, voilà. Attendez, j'aime pas quand c'est pas aligné. Bon bah, j'ai plus assez. Bon bah, on va partir, on va se faire enfin, je vais me faire défoncer. Hein. Hop. Perso donc, je disais, je préfère l'arbalète traditionnelle dans le 1, je trouvais ça plus... Ça mettait encore plus de punch ici, c'est trop lent. Enfin oui, c'est puissant, d'accord, mais je trouve que c'est un petit peu trop lent. Ceux-là, je les aime vraiment pas. Bon, allez, je suis en mode, je deviens super fort. Voilà, maîtrise. Ce qui m'énerve, c'est que il passe déjà tous mes... Ouais, ça c'est pas très malin. Je sais, j'ai l'air bête à rester sur place, hein, mais bon. Toi, tu pars. Oh, je suis bête, mon dieu, que je suis bête. J'ai complètement oublié de sécuriser l'autre côté. Bon, on va rester là, hein. Mon dieu, pourquoi j'ai oublié. Ah oui. Hey, voilà. C'est bon. Ok, j'ai un petit peu de temps, vite. C'est vraiment action. Voilà. Aïe. Oh, de nouveau la sensibilité, j'ai galère. Non. Ouais, bon, tant pis. J'ai fait clic droit, c'est pas grave. Oh non, pas toi. Voilà. Oh, quel bon viseur. Faire attention des deux côtés. En fait, c'est ça. Il fallait que je comprenne la technique. Hein, il fallait bien rester au milieu. Oui, bon, je sais. Je m'en rends compte un petit peu tard. Oh, ça va au kill en le faisant voler. C'est joli, ça. Oh, marche dessus. Voilà. Ah, je gère beaucoup mieux là. Tout d'un coup. Je suis passé en mode. Non. Non, mais non, allez, j'étais dedans. Ça, c'est pas fini. Faut pas s'en. Bon, je suis désolé. C'est un gameplay, mais noob, pas possible. Surtout pour les chaînes communautaires. Enfin, voilà, on y est arrivé. On va peut-être faire. Un deuxième gameplay. Allez, ouais, on est fou. Enfin, non. Je vais vous laisser là parce que sinon vous allez crier tellement que je suis nul. On va juste peut-être améliorer. Just for fun. Oh, j'ai la sainte babel de soin. Ah non, c'est pas ça. Je pensais à un truc, mais non. Hop. Donc, on peut acheter des trucs dans Orc Must Die 2. C'est très bien avec les crânes récupérés.
aplatisseur. Oh, aplatisseur, ça m'intéresse ça. Ouh, c'est 10 crânes quand même. Enfin voilà. Oh, il y a même des armes ici. Oh, ça je savais pas. Je vais pouvoir bien m'amuser sur ce jeu. Enfin voilà, on va se laisser là. J'espère que ce gameplay vous aura plu. Mais aussi vous aura... Enfin non, il vous aura plu, mais... Le problème, c'est que je vous vois déjà crier devant le noobisme de ce gameplay. Enfin, c'est pas grave. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!